un vendeur de CD, des CD d'artistes ivoiriens, étrangers. Il y a Daisy Champion, Charlotte Zamanda, Meleke Fator, Espoir 2000, Molière, et j'en passe. Nous avons saisi ces CD parce que ce n'est pas normal que des personnes profitent du travail des autres. Ils vendent les CD, ils cherchent à manger. Ils s'enrichissent avec. Mais ces CD ont été produits, financés par des gens. C'est le talent des gens qui est exploité ainsi. Et le SAMSI ne saurait laisser passer cette forfaiture. Nous avons donc saisi les CD et demandé que le producteur ou le presseur, ces CD viennent bien de quelque part, viennent nous rencontrer pour qu'on comprenne ce qui se passe. Voilà, donc les CD sont là. J'ai vu tout à l'heure Ariel Chéné. De Bordeaux, les Koufa, j'ai cité Espoir 2000, Méoué, Antoinette Conan, Zoubou, célibataire, Ami Koïta, j'ai cité Charlotte Panda, Olamide, il y a aussi voilà, Moulière, Kérosène, Safarel Obian, Amani Djomi, et vraiment, il y en a beaucoup, et nous, SAMSI, nous nous insurgeons contre cela. Ce n'est pas normal qu'on vende le travail des gens et qu'on les appauvrisse. Les artistes en Côte d'Ivoire restent pauvres à cause de ces pratiques-là. Pendant qu'ils attendent de vivre de leur art, d'entrer en possession du fruit de leur travail, d'autres sont dehors avec. Ils le vendent tranquillement. Ces CD ne sont pas stickés. On ne sait pas d'où ils viennent. Donc, on attend le producteur de ce CD pour qu'il nous donne des explications. Ces CD ne nous seront pas rendus. Parce qu'il faut qu'il nous donne l'autorisation qui lui permet de vendre ses CD sous cap. Voilà. Merci. C'était la secrétaire générale, SAMSI. Non, maintenant, c'est la même chose.